le monde, je suis très ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui pour moi est tout à fait spéciale parce que je viens vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé l'année dernière en 2018 et que maintenant c'est prêt, je peux enfin vous en parler. Donc sur le coup là, je me sens un peu, je dirais, entre deux parce que je suis très excitée en même temps, je suis un peu timide. Parce que je ne sais pas exactement quand vous allez accueillir mon projet, c'est pas quelque chose, je pourrais dire, qui est très courant, mais j'avais vraiment envie de le faire. Et voilà, je vais me lancer, je vais vous envoler, j'espère franchement que vous allez avoir une très bonne réaction vers ce que je vais vous présenter. Donc voilà. Si vous ne me connaissez pas, je suis Chomiton, je suis une blogueuse haïtienne, je suis la rédactrice du blog Cœur et Plus. Donc forcément, lorsqu'on est abonné à beaucoup de blogueuses, etc., on tombe forcément sur des bons plans et c'est ce qui m'est arrivé. Je suis la blogueuse Ursula sur Instagram, elle est beautiful naturelle. Donc, elle a présenté un projet pendant l'année 2018 qui m'a beaucoup plu. Et je suis allée voir le site qu'elle a partagé avec ses abonnés. Et j'ai tout de suite envie de faire quelque chose du même genre. Et je me suis lancée. Donc, je vais vous parler du site Red Bubble. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site qui est consacré, je dirais, aux artistes indépendants, des graphistes, des photographes, mais je crois que tout le monde peut l'utiliser aussi. Donc avec ce site, on peut prendre ses créations, ses graphiques, ses photos et on peut créer des produits avec. Donc le site a les produits et puis nous, les artistes indépendants, on a les œuvres, on a les designs. Voilà, donc on a un compte, on change le design et puis on choisit de les mettre sur des produits de notre choix. Et puis le public peut visiter le site et acheter les produits. Les produits arrivent directement chez la personne qui commande et moi, personnellement, je n'ai pas de produits, je n'ai pas de stock, je ne fais rien. Mais j'ai mon produit qui se vend. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est la photographie. Vous savez que je suis photographe professionnelle. Donc je voulais faire quelque chose comme ça avec une photo. Donc j'ai choisi une photo qui est pour moi tout à fait spéciale. Parce que c'est, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce concept qui est la photo. C'est une photo que j'ai faite pendant que j'étais encore étudiante en photographie et un matin je pratiquais et puis j'ai fait cette photo. Cette photo, c'est pour moi la première d'une série de photos bien réussie et elle était tellement, je dirais, c'était un moment magique parce que je me promenais comme ça avec une caméra et puis j'ai eu l'opportunité de saisir un instant qui n'a duré franchement vraiment une fraction de seconde. Le papillon s'est posé sur la branche, j'ai eu le temps de la photographier et puis c'était une seule photo, une seule, c'était la photo. Donc je voulais choisir cette photo-là pour réussir ce projet. Et voilà, donc j'ai pu mettre ma photo sur le site Red Bubble et j'ai réalisé des produits avec. Je voulais vous présenter ce carnet. C'est un carnet agenda. Moi, je l'utilise comme mon agenda. Vous voyez? Voilà. C'est un carnet cartonné, mais il y a aussi d'autres carnets comme un carnet en spirale avec des spirales. Moi, j'ai choisi celui-là. J'ai aussi un mug pour boire mon café, mon chocolat, mon thé aussi. C'est assez long, mais il y a aussi une dimension que vous pouvez choisir. J'ai aussi choisi une petite pochette pour stocker mes clés, mes cartes USB,
ça prend aussi mon téléphone, ça prend plein de plumes, etc. Il y a trois dimensions de pochette, il y a une grande, une moyenne, ça c'est la plus petite. Donc sur le site, si vous allez visiter ma page, vous allez, je crois il y a une sélection de 21 produits qui est disponible. Il y a des coussins, c'est-à-dire des produits de papeterie, des produits pour la maison, pour la décoration, des produits, des cordes de téléphone, pour, en fait, il y a tout un assortiment de produits. Donc, je vous invite à aller visiter ce site et à choisir le produit qui vous intéresse. Donc, l'histoire de ce projet, en fait, je lui ai donné un titre, c'est quoi? C'est donner des ailes à vos projets. Parce que je pense que on a besoin certaines fois d'inspiration, on a besoin d'un petit peu, je dirais, de booster pour faire avancer nos projets. Et on n'a pas toujours les bons objets, les bonnes inspirations, les bons repères. Et c'est ce que je voulais vous faire bénéficier d'avoir des produits de votre quotidien, c'est-à-dire vos carnets, vos trousses, vos tasses, vos coussins, vos coques de téléphone, vos stickers, en fait, des choses que vous pouvez intégrer, qui s'intègrent facilement dans votre routine personnelle et qui va vous rappeler que vous allez donner un certain sens. Je n'ai rien écrit, par exemple, parce que je veux laisser place à votre imagination, à votre interprétation personnelle, mais je vous dis que j'aimerais tout simplement que ces produits vous inspirent à réaliser votre rêve, à savoir que tout est possible, et je vous invite à vous procurer les produits, et comme ça, moi, lorsque les produits sont vendus, j'aurai un petit pourcentage qui me revient de la part du site, et puis je serai vraiment très heureuse que vous utilisez les produits, vous fassiez des photos, vous les partagez avec moi, comme ça je pourrais voir les produits entre vos mains. Donc merci beaucoup, j'espère que vous allez bien accueillir ce projet, que j'ai eu le plaisir de réaliser pour vous. J'attends vos retours et comme je vous dis, je suis vraiment très contente. Donc à plus.